On est tout le temps dans la recherche en fait, tout le temps dans la recherche de pas de notre son mais de vraiment de d'impressionner les gens en fait et de voir vraiment jusqu'où on peut aller. On aime bien s'impressionner nous-mêmes en fait quoi. T'as le premier EP en fait, c'était un peu la carte de visite où t'avais des titres complètement différents les uns des autres. T'avais Hologramme un peu vraiment super, enfin je dis metal mais vraiment vénère. T'avais All My Life un peu hip hop et tout. Et là t'as un peu la même chose, sauf que c'est plus maîtrisé en fait et t'es concentré sur les grattes quoi. C'est tout est dans les grattes. Et le mix aussi est complètement différent, c'est carrément ouvert. On est parti à Londres. Mike Marsh, il a compris le truc. On lui a dit non, on fait un truc à la Fu Manchu, à la The Drive-In. T'as les guitares qui sont là, tu vois, et les kicks qui sont derrière. Pas le poum, 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 tu vois, le moins de basse et du truc qui est bien crade. Parce qu'on veut prendre le temps et parce que là, on avait encore. Je pense des trucs à dire, des trucs à montrer avant de sortir vraiment le gros bébé quoi, avec vraiment 10 titres et une ligne directrice. Et là on avait, c'est ce qu'on n'a pas encore, c'est une ligne directrice. Donc là on a, pour le deuxième EP, on a fait un EP plus rock, plus de guitare, plus encore des expériences avec par exemple un rappeur sur The End of the Night. Voilà, on a adopté une nouvelle méthode de travailler en studio tout en gardant la patte du premier EP, enfin fait maison quoi, à l'arrache. Bah, la différence, quand tu cites par exemple des groupes comme Hadouken ou Prodigy, par exemple Hadouken ou même les Birdie Nam Nam, tu vois, c'est des... Nous, on n'est pas des producteurs. On n'est pas des producteurs et on veut pas se faire produire en fait. C'est-à-dire qu'on... On a réfléchi, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ouais, peut-être on va demander à Yuxek, tu vois, on va demander à nous produire les titres, quoi, pour que ça tabasse, ou alors à Noisia, pour que ça tabasse à la Hadouken, quoi. Et nous, on veut pas, on veut vraiment que ce soit, nous, notre mix, tu vois, nos samples et tout, et travailler là-dessus. Parce qu'on a déjà essayé en studio de se faire produire, et c'était pas du même chien. Ça pétait, hein, mais c'était un truc, ça sonnait ouais, pas bien, quoi, on n'était pas contents. Parce que nous, on veut vraiment rester attaché à ce truc-là, où quand t'écoutes au casque, oui, c'est un peu, voilà, t'as de la perte, mais bon. C'est ça en fait, c'est ça qui est cool, c'est ce côté punk à l'arrache qu'on essaie de vraiment encore d'évoluer aujourd'hui quoi. Et l'album, bon, c'est vraiment la grosse étape, faudra tenir sur 12 titres comme ça quoi. Donc c'est vraiment un gros challenge, mais on va réussir. Sur cet EP, avec des titres comme Don't Shoot, qui est le tout premier morceau qu'on a composé, j'étais avec une gratte acoustique, avec le micro du Mac, et je jouais comme ça, et on a rajouté après une statue sur GarageBand, enfin voilà. Voilà, c'était fait à l'arrache, mais après ça s'est fait au mixage. Je pense qu'on a, pour le mastering, on a donné des références plus rock à Mike Marsh. On a envoyé par exemple des morceaux d'Ada Drive-In ou quoi. Et on voulait, ça comptait vraiment beaucoup pour nous d'avoir vraiment cet esprit rock qui ressort beaucoup plus par rapport au premier EP. Depuis la sortie du premier EP, depuis Chatroulette, depuis les gros lives et tout qui sont arrivés, on a maintenant une grosse équipe et on a un super ingé son en fait. C'est Seb, c'est l'ingé son des Birdie Nam Nam. Et lui, il est vraiment en train d'opérer notre son et on a fait une résidence. Et là, ouais, maintenant ça sonne complètement différent, même si on est encore en train de travailler dessus. Ça sonne carrément différent et machin maintenant sur ça pète quoi. En façade, ça pète littéralement plus qu'avant quoi. Plus ouvert quoi. Puis, plus ouvert, plus logique et il y a des trucs qui se passent quoi. Ça vit quoi. On a travaillé chaque sample, on les a placés dans l'espace. Avant c'était vraiment un tunnel et maintenant c'est ouvert. Il y a des effets de stéréo en façade. C'est vraiment pour surprendre celui qui est devant quoi. Pour le voir quoi. Voilà.
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, pour un groupe, c'est très important d'être proche de ses fans et des gens qui aiment ta musique, en fait. Donc sur Facebook, c'est parfait, quoi. C'est-à-dire que nous, on répond à tous les mails, peut-être pas à tous les commentaires, mais aux mails au moins, quoi. Et on est très présent. On a mis une petite photo, tu vois, pour bien montrer qu'on est en train de préparer quelque chose. On a sorti aussi un teaser là, pour la sortie du deuxième EP. C'est très très important pour l'évolution et surtout que nous, on a toujours été très très proche des fans et aussi même en dehors. C'est-à-dire qu'on sort beaucoup et quand on est soit au bus ou au social, qu'on sort dans des bars aussi et qu'on rencontre des gens ou des fans, on parle avec eux et on est curieux aussi de savoir ce qu'ils pensent vraiment de nous, quoi, tu vois. On n'est pas là à prendre le melon, genre ouais, tu vois, c'est trop cool, tu vois, non, on a toujours été très très proches, quoi. Mais ça se voit même en live, quoi, on joue beaucoup avec le public, quoi. C'est très 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 important pour nous d'être proche des fans, quoi. Et Facebook ou Internet. En fait, notre groupe, l'élément déclencheur de notre groupe, c'est Internet, donc on restera un groupe d'Internet, quoi. Moi, le dernier album de Rollo Tomassi, tout le temps en boucle, voilà, Cosmologie s'appelle. Black Rock, Hard Ouais. Times, ça c'est le titre. Sparkle Horse, je sais pas, j'écoute Sparkle Horse en ce moment. Driving quoi, toujours, toujours à deux driving tous les jours. Ouais, c'est vrai que ça, c'est. Ça prend pas une ride, je pense que c'est éternel ce truc, c'est juste génial quoi. Non. Non, Non, je crois pas. non.